Un véritable coup de boost pour l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. 225 000 personnes devraient être recrutées cette année dans la région. C'est 33 000 de plus qu'en 2017, révèle une étude de Pôle emploi. La Nouvelle-Aquitaine suit donc la tendance nationale. 26 % des établissements de la région prévoient en effet des recrutements cette année. À Bordeaux, par exemple, 39 000 intentions d'embauche ont été recensées, soit 17 % des intentions totales en Nouvelle-Aquitaine. Les secteurs qui recrutent essentiellement dans la région, les services, l'agriculture et le commerce. Semaine capitale pour le vin de Bordeaux, c'est en effet la semaine des primeurs. L'occasion pour les viticulteurs de faire découvrir leur millésime 2017 et de vendre tout ou partie de la récolte. Aussi faut-il plaire aux plusieurs centaines de professionnels venus du monde entier pour déguster un 2017, disons, inégal. On peut dire qu'il y a un avantage rive gauche, parce que ça a moins gelé, il y a moins eu de péripéties de météo. Et quand on a goûté l'ensemble des crus bourgeois, on a eu plutôt des bonnes surprises et quelque chose de beaucoup plus homogène. En revanche, sur la rive droite et les graves, il faut vraiment aller picorer à droite à gauche pour trouver des choses bonnes. On sent que les vignerons, et ce n'est pas de leur faute, hein, c'est les conditions météo, ont été très difficiles et qu'ils ont eu beaucoup de mal à réaliser ce 2017. Cette semaine des primeurs est l'occasion de mettre les petits verres dans les grands pour les châteaux. Exemple à Montlot dans le Saint-Émilionnais, où Sting, s'il vous plaît, a fait une apparition forcément très remarquée à l'occasion d'un dîner. Il faut dire que la propriété appartient à une amie chinoise de l'ex-chanteur de Police. Et Sting sur scène, qui a évoqué ses trois amours, sa femme, la musique, mais aussi le vin, et qui a aussi chanté « Message in the Bottle » de rouge, forcément. Just a cast away, an island lost at sea. Another lonely day, with no one here but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Rescue me. Transport en commun gratuit pour les habitants de Villeneuve-sur-Lot. La commune a décidé de ne plus faire payer les bus. Objectif, limiter le plus possible l'usage de la voiture. L'expérimentation a été lancée il y a peu et les résultats sont déjà là. La fréquentation explose dans les transports en commun. Des voyageurs qui sont aussi plus courtois et plus souriants. L'expérience prendra fin en 2019. Séquence trop mignon à présent, trop mignon en tout cas quand elle dort. Cette femelle guépard du zoo de la Palmyre a été anesthésiée quelques minutes pour un examen médical qui a confirmé qu'elle était bien enceinte. L'échographie a révélé en effet la présence de deux fœtus. La maman guépard, âgée de 5 ans, devrait mettre bas à la fin du mois. Le Marité pour quelques jours dans le port de Bordeaux, c'est le plus grand voilier en bois de France et aussi le dernier terre-neuvier encore en activité dans le pays. Construit en 1923, le Marité est ouvert au public qui en apprendra davantage sur les anciens morutiers. Ils ont accès à tout le pont du navire, de l'arrière, donc le poste de pilotage. Ils peuvent même toucher la barre à roue, voire barrer le bateau, accéder aux instruments de pilotage à l'arrière, jusqu'à la proue à l'avant et ensuite à l'intérieur dans la grande salle qui est l'ancienne cale à poissons du navire. En fait, on a une exposition qui relate la vie et l'histoire du Marité. On a appris pas mal de choses qui a été servi pour la guerre, pour la pêche et les parties en Suède si je ne me trompe pas. Donc si, c'est très intéressant. Une vidéo qui en dit long sur la pointe du Cap Ferret et son urbanisation galopante. La preuve en image de l'attrait grandissant de cette presqu'île et ses conséquences aussi grâce à des photos satellites. Images qui parlent d'elles-mêmes.
Après une presqu'île, une île, l'île de Ré, elle aussi victime de son succès mais qui reste à découvrir, comme en témoigne cette vidéo tournée en hiver avec un drone et à découvrir sur le site La Route à Deux. City life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling. I love that night. And we were bound to the city life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling. Et pour terminer cette hebdo vidéo, encore de l'eau, encore du beau, et cette session surf à Haussegon.